Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Puis du let's play avec Thiop sur Rome 2 Total War avec les Séleucides et l'Égypte. Yo! C'est vrai qu'on avait bien avancé l'autre fois. On avait bien sécurisé nos territoires, ouais. Toi, t'avais bien avancé jusqu'en Asia. J'ai pu récupérer la province que tu as avec le mode DUI. DUI. La province, laquelle? La Mésopotamie. Ah oui! C'est... T'as même c'est Charax? aussi des tigres. Ouais. Ah ouais, mais là, t'es bien en bouffe, alors. Oui, tu te rappelles, je vais redéclarer la guerre aux Parthes. Ah oui, c'était un peu le bazar. J'ai fait une trêve avec eux pendant un moment. Ouais, et puis après, bah, ils étaient venus nous... quand j'étais allé conquérir moi l'Arabie, ils t'avaient redéclaré la guerre, ces couillons. Alors, je précise que mon jeu est en anglais parce que, entre-temps, j'ai fait une petite partie sur DUI. Et j'ai oublié de le remettre en français, c'est pas grave. Vous pouvez remercier Vae, j'ai envie de dire, parce que grâce à lui, vous entraînez en anglais. Because English is very important. Hein. Ouais, sinon, on aurait dû attendre 5 minutes pour lancer nos enregistrements. Ah ouais, j'avoue. Je voulais pas mettre Chubb en retard du sport du français sur le jeu. Ouais, le lapin dans... Comment il s'appelle? Alice au Pays des Merveilles. Hein. L'heure, c'est l'heure. Hein. Sinon, il est en retard. Hop là. C'est bon, je suis dans la partie. Je commence mes petites constructions, là, je vois. Vas-y, je t'en prie. Je regarde j'ai même ce que j'ai à faire. En été. Ouais, je me pose la même question. Pourquoi j'ai vu du rouge? Ah, partie. Oui, effectivement, la partie. Ouais, c'est vrai que niveau nourriture, je suis bien, là. T'as combien? 36. Ah oui, ça change. Ah, c'est vrai, ça change clairement. Je vais pouvoir améliorer pas mal de bâtiments. À votre service. Hop, alors j'allais où moi? J'allais par là, ok. Ah mais oui, c'est ça, j'allais récupérer le territoire Garamante. En route, au nom de Pharaon. En route, avec l'accent bizarre. Hop, là on est bon, on a une flotte, magnifique flotte. Oh là là, quelle flotte. Oups. J'ai renforcé mes armées en Turquie. Ah mince, j'ai amélioré qu'une seule unité, moi, n'importe quoi. Je vis pour servir le recrutement. Monseigneur, nous nous battons pour vous, monseigneur. Ah, j'ai ça, moi. C'est pourri, ça, comme troupe. À votre service. C'est un général surentraîné qui aide des troupes pourries, je sais pas pourquoi. Ok, il y a Chypre. Ah oui, mais c'est vrai que Chypre, il préparait... Ils préparaient le 6 juin là, mais ils n'ont pas compris qu'ils avaient quelques millénaires d'avance. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait un trajet de ouf pour venir t'aider. Ah ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, on va dissoudre ça. En vrai, hein, les troupes sont pas terribles. On va leur faire prendre la mer. Et direction Ptolémaïstéron. Et je pense que là, juste eux, ils suffiront à défendre les deux Arabia, la Félix et la Magna. Au cas où, parce qu'il y a quand même la partie qui est pas très loin. Même si t'inquiète, je vais les envahir. On a copain entre les deux, mais des fois, tu en as, c'est pas pourquoi ils sont en mission kamikaze. C'est dans mes plans d'envahir la Persis. La province de Perse. Qui est assez riche, c'est laquelle? La Carmagne? Oui, la Parthia qui est riche. Ouais. Quatre territoires en général, ouais, ils vont s'en tirer bien. Ouais, ils ont des petites ressources de luxe, comme la soie. Oh, ça fait toujours du bien.
Nicomédia, pourquoi j'ai envoyé des trucs là? Rome, oh purée, mais il y a Rome en Macédoine. Ah ouais. Ah ouais, bah ils sont fidèles alors. Mon espion à Suse. Guerre à monde, vous perdez de la bouffe. Ah ouais, il n'y a pas de garnison, pas d'armée là. Ça veut dire qu'au prochain tour, je vais pouvoir capturer la ville. Et ça, c'est bien. Ah, et personne n'a percé police non plus. Port de commerce à Charax. Un petit terrain agricole. Donc, quoi que je vais faire une ferme. Et puis là, mon objectif, ça va être de renforcer un peu mes armées en Turquie. Hein, parce que si plus tard je suis en guerre contre le pont Pergame, ça sera plutôt pas mal. Je vais me recruter ce qu'il faut, quoi. À Pessinus, pour commencer. Je vais me prendre des hoplites. À Tarsus aussi, je vais recruter un peu là. Voilà, bah, j'ai plus d'argent. Faut Ah, dépenser. déjà? Ouais, ah, ça part vite, hein. Ah oui, j'avoue. Mais bon, c'est de l'argent bien dépensé. Voilà, bah, je pense que mon tour est fini. Sont prêts les Séleucides là. Oh là oui, ils sont très prêts même. Patrick qui me demande la paix. Je pense qu'ils ont compris que t'étais prêt là. Qui se sont repliés au centre de leur terre. Ouais. Ils ont quand même pas mal de territoire, hein. Les partent. Knossos. C'est dommage que vous ne demanderiez pas un paiement, mais même un tout petit paiement, j'aurais dit oui. Alors, oui, c'était mon pôle de recrutement ici. Vous, les gars, vous êtes tout beau, tout neuf. C'est vrai que toi, t'es un recruteur, le pharaon. Salut, monsieur Pouf. Comment tu vas? Je vais te remplacer. Ah bah j'en ai qu'une. Ouais bah j'en ai qu'une dispo. On va remplacer. Ah non, par contre les Dranguian, ils vont pas prendre ce plus. Ils sont gentils, mais ils vont rester dans leur coin. Ah les ramasse-miettes. Ah on connaît les ramasse-miettes sur Rome 2. Ah ouais. C'est terrible ça. J'ai de la chance, ils ont pas eu assez de portée pour prendre la ville, donc au prochain tour, ce sera pour moi. Yam. Hop, là on est bon, on a l'effet de commerce, ça rapporte combien là? Ça rapporte 5200 de thunes ici. Eh ben. Ah oui, bah oui, j'ai deux provinces qui me rapportent à balle de. Attendez, j'ai vu un truc là, j'ai vu un truc intéressant. Deux tours, les gars, vous. Dans deux tours, vous savez ce qui se passe. Non, il se passe quoi dans deux tours? Dans deux tours, j'ai la grande bibliothèque. Ah, d'accord. Ah, dans deux tours, là, je me lève. Hein. Ça, c'est ah, beau, la ça. Vache. Je sais pas si t'as vu, mais Rome, là, vachement annexé la Libye d'un coup. Ouais, ouais, là, ils sont en train de taper sur les Garamantes, en plus. Donc je vais aller taper sur les Garamantes. Oh là, il y a les familles grecques qui sont, elles sont pas contentes. Les familles grecques, c'est en abatté. Est-ce que... Ah ouais, mais j'ai pas de troupes là sur le moment. J'aurais bien envie de forcer une sécession, mais j'ai pas de quoi actuellement. Donc, je vais sécuriser le lobby. Ah, c'est passé inaperçu, mais Pergame vient de se faire bait par
les traces là, partie lisse. Ouais, ils ont pris Nicomédia aussi, hein. En fait, ils étaient en train d'assiéger Nicomédia, sauf que pendant ce temps-là, les traces ont pris Pergame. Et Pergame n'a pas de mur. Ouais. Ah, oh, bah attends, mais oui, c'est-à-dire, est-ce que Pergame, ils sont. Apparemment, ils sont toujours là, mais je sais pas où. Je pense que je vais devoir restaurer la ville moi-même. Ouais, fais gaffe, hein, parce que Tilis. Je sais pas s'il t'aime beaucoup, mais. On est neutre. Neutre? Oh, ça va. Ouais. Hop là. Dans tous les cas, j'aimerais bien récupérer tous ces territoires. Ah, tu m'étonnes. Pour que je fasse la guerre sur plusieurs fronts. Ah oui, ça y est, ça me Ah, revient. mon armée Éphèse est pas ouf. Ces deux-là, là, ils vont à Rome. Je vais les zapper. J'ai envoyé ma flotte faire de l'éclairage. Si t'as besoin, Ouais, j'ai ils une sont en flotte. mode horde. Ah, ils ont pas le choix, ils pillent, hein. Non, même pas. Bonne. Sont ils ont plus de territoire donc ils vont attaquer là ce tour-là, c'est obligé, hein, Pergame. Non, je peux pas attaquer Suze. Oh non. Suse, c'est là-bas, c'est en Persia. J'ai pas assez de points d'action. J'ai pas envie que mon état client récupère la ville. Je déteste ça. Ah ouais, je te comprends. Tu peux. Alors, c'est assez rare, mais quand t'envoies un personnage, un diplomate à ton état client, par moment il peut te filer un territoire. Je dirais une fois sur 10 il va te filer un de ses territoires, si c'est pas le s'il a plus d'un territoire. Ah d'accord, je savais pas. Et ça marche uniquement avec les factions orientales. Ok, ah c'est bon à savoir. Par contre, ça coûte de l'or hein, d'envoyer. Hein. Et plus t'en envoies, plus ça coûte cher. Ouais, j'imagine. Ok, j'essaierai ça plus tard alors. Ouais, franchement, je l'ai découvert par hasard il y a quoi, il y a peut-être 500 heures. J'étais en mode, ah oh, mais non, trop bien! Hop! T'as besoin de les attaquer. Enfin, pas trop. Faire un petit temple en Mésopotamie. Ouais, je vais faire le temple d'Héphaïstos. Mais j'ai des points à mettre pour des personnages. Après, il y a encore Carthage, ça me rassure Ouais, un j'ai peu. une agression avec la Bactrie. Ça me va, en plus ils me donnent de l'argent. Ouais, je suppose qu'ils sont en train de taper sur les Parthes. Ah oui, très clairement. Ils ont pris un de leurs territoires. Ils ont pris Susia. Pacte de non-agression avec les Pontes. Tu t'entends bien avec les Pontes? Pour le moment, ouais. Mais il me gêne un petit peu dans mon expansion. Donc tôt ou tard, je pense que on sera en guerre. On propose la paix, compte de l'argent, ça me va. Et voilà, eux, du coup, ils vont attaquer la ville. Je vais refuser d'attaquer. Débrouillez-vous. Ah, ils l'ont juste pillé, visiblement. Ouais, ça va, ils t'ont mâché le travail, c'est cool. En vrai, ouais. Ils l'ont pas prise, la ville. Je crois qu'ils l'ont juste pillé, donc ça me va. Ils ont des pertes quand même, hein. Ouais, il doit y avoir une petite garnison, mine de rien. Ah, la garnison était pas non plus incroyable, hein. Ils avaient des archers perses d'élite.
3 unités d'archers au total, de la populace et 2 unités de combat de milice. Hop, et... Oh, regardez-moi cette armée recrutée. Tous de rang 6. Hop. Pas besoin de plus. Non, on va Pourquoi tu vas attendre. capturer la ville des Garamantes bientôt? Ouais, je m'avance petit à petit en embuscade pour aller les chercher. Mais bon, dans le désert, ça va pas vite. Je m'étonne. Surtout avec des unités lourdes dans le sable. Oh la vache, il y a de la construction, mine de rien là. Agriculture, un peu de bonheur. Bon, le bonheur, il est là. Hein. Bonheur, il est bon. Il faut que j'améliore mon bâtiment militaire à Éphèse. Faire de la collection de nourriture ici. Hop, je vais garder ma flotte, moi. Entre deux, là, je vais l'envoyer un tout petit peu au sud, n'importe quoi, à l'ouest de Sirène. En patrouille. Parce qu'on sait que ça peut... On peut avoir des surprises, et on n'aime pas trop les surprises. Surtout quand elles sont pas bonnes. Ça, on choisit pas. Ah, Théophania, tu peux être promu. Très bien ça. Et sois promu, Théophania, sois promu. Bon, les gosses, j'en ai un 12 ans. Il sera bientôt majeur, ça c'est cool. Il y aura bientôt une rébellion à Pergame, je pense. Peut-être pouvoir en profiter. Oh, fais-toi plaisir. Sauf s'ils se font réprimer instant. Je pourrais détourner des fonds. Mais bon, on va éviter. On pourrait mal se faire voir. On pourrait mal se faire voir. Ah oui, j'ai oublié de préciser pour les gens de mon stream, si vous débarquez. Vous n'avez pas vu le début, ça dispo sur nos chaînes YouTube. Vous avez ma chaîne YouTube. Hein. Oh, un cadeau! Oh, merci, j'ai oublié l'heure du pharaon. Tu croules sous l'argent. Là, ça va, ouais, un peu. Là, 16 000. Ouais, donc, je disais, sur mon accueil Twitch, vous avez le lien de ma chaîne YouTube. Dans chacune de mes vidéos, il y a aussi les vidéos de Thiob avec sa POV. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait l'or du pharaon, c'était pour pour le placement de chaîne en fait. Je vais faire le recrutement, là il manque 2 unités, je vais aller recruter ma cavalerie en Éthiopie. Hop là. Oh, mes espions disent, c'est... des charrues. Hein. Allez, partent là, en fait, comme ils sont en guerre contre la Bactrie, ils sont obligés de délaisser leur territoire qui sont près de chez moi. Et ça, c'est bon. Ouais. Après, faire attention à ce que la Bactrie récupère pas trop de territoire. Ouais, t'as vu, ils ont pris Suzia, par exemple. Ah. Ouais, je sais. Joué. En plus, production de verre, c'est bien ça. Pour le moment, écoute, c'est mieux que rien. Ah, il y a une armée qui arrivait un peu en urgence versus, mais il était trop tard. Et ouais, les pigeons voyageurs ont été trop lents, il y avait des perturbations. Je vais voir si je peux pas saboter son armée. Il a raté. Tant pis.
faire un petit temple. Okay. Je peux faire une recherche. Ah ouais, j'avoue, ils sont très orientaux là. Proportion de coût d'unité de siège dans toutes les provinces. Peltast léger remplace le Peltast. Bon, 15% de coût de mercenaires, c'est intéressant. J'avoue. Quand t'as accès à des mercenaires assez puissants. Plus 2 d'ordre public dans toutes les provinces, plus 3% de taxes, moins 5% de corruption. Je prends. Ça, c'est pas mal. Là, grâce à l'argent que tu m'as donné, je vais pouvoir améliorer mes casernes. Ça, c'est bien. Ça te fait consommer un peu plus de bouffe, par contre, je crois. Ouais, mais en vrai, ça va. Je peux me le permettre. Maintenant, ouais. Franchement, je peux me le permettre. Puis je vais en récupérer de la nourriture en prenant les territoires partent. Il me reste 12 000. Oh, le luxe. Tu peux envoyer un diplomate au Drangian par exemple pour voir si t'as de la chance. C'est comme au loto, est-ce que t'as de la chance pour récupérer Gore par exemple ou Armosia? J'investis un peu dans l'industrie là. Que je délaisse un peu la diplomatie sur ce jeu généralement. Alors qu'il faut pas trop. Ça peut aider, bah surtout en. Là, on est en très difficile, donc ça peut Tu vraiment fais aider. comment pour envoyer un diplomate à une faction? Tu vas donc sur ta faction, dans personnage. Tu cliques sur un de tes personnages qui n'est pas dans une armée. Donc, Comme toi, mon ça doit roi, être par comme moi, exemple. les femmes. Ou le roi évite. Non, le roi, il peut pas, je crois. Ah oui, envoyer un diplomate. Ouais, et dans les intrigues, tout en haut à droite. Ah oui, envoyer un diplomate, je fais une faction. Je vais envoyer, pour Et voir. ça t'apporte des bonus ou des malus. Si Ok. l'action se passe bien, en plus, ça fait que tu vas encore mieux t'entendre avec la faction. Si elle se passe mal, tu vas moins bien t'entendre. Et Genre. tu peux récupérer plein de bonus différents. Du moral, de l'ordre public, des territoires. Ok. Ouais, c'est plutôt cool. C'est vrai que je fais pas trop ce genre d'action généralement. En vrai, quand t'as du rap de thune, autant le faire, quoi. Peut-être rentrer ma flotte au port et je vais écouter un peu. Donc, remarque, j'ai muré mon port. Pour avoir de meilleures unités. Passer mon tour. Ah, D5. Ah, D5, machin truc. Désynchronisation A. Et se Ah passe-t-il? Ah, c'est la première fois que ça se fait ça. ouais, moi aussi. Moi, j'ai mis attendre. J'ai mis en attente de resynchro. Donc ça doit être en resynchro en cours. Ouais, pareil. Au début, je pensais que c'était une fenêtre qui s'affichait par rapport au diplomate que j'ai envoyé. Non, mais là ça. Ok. Au synchro. Synchronisation en cours. Alors là, nouvelle découverte. C'est. Bon, faut dire, les campagnes multi doivent pas être beaucoup jouées sur Rome 2. C'est la première fois que j'en fais une. C'est la deuxième, mais j'ai pas fini le premier. La première. On avait joué quoi? Macédoine et.
Macédoine et Pergamon, un truc comme ça. Je crois que mon pote il avait joué à Macédoine. Ah oui. C'est un de mes potes. Il avait joué à Macédoine, sauf que manque de bol, son dirigeant était mort. Et Ah merde. il n'avait pas de successeur. Donc ça prend un garant d'homme, sauf que le garant d'homme, à chaque fois, il était ultra vieux. Donc au bout de 3 tours, il clamsait et il pouvait pas avoir de gosse. Et il était embourbé là-dedans, il a dû avoir, je sais pas, plus d'une dizaine, voire 15. 15 dirigeants d'affilée, il en pouvait plus être au bout de sa vie. Ah, je comprends. C'était génial. Ah, j'avais bien rigolé. Hein? Peut-être un peu moins génial pour lui. Ouais, bah, un petit peu. Bon. Divi, hein, si tu passes par là. Je t'aime, mon gars, et c'était trop drôle. Moi, j'en suis à la moitié, et toi? Ouais, pareil. Ça C'est avance pas. long, hein? C'est ultra long. Surtout une désynchro, mais désynchro de quoi? Ils font chier, je vais devoir faire du montage. Oh. Non, je rigole, en vrai c'est rapide, mais. Ouais, faut mettre l'ambiance. On est Ikea. Enfin, faut mettre Ikea, tu vois. Oui, pour animer le stream, enfin un stream, ouais, mais. Un truc comme ça sur YouTube, ça te nique ton machin d'audience là. Ah, Ta la rétention rétention, ouais. d'audience. Oui. Écoute. Du coup, petit coup de montage, hop, ça n'a jamais existé. Moi, je parle sur le principe que la personne voit ça et dit, bon, je vais faire une petite pause toilette et je reviens une fois que c'est bon. Oui, certaines personnes peut-être vont faire autre chose en attendant. Oui, ils ont bien raison. Ah, Après, qu'est-ce que c'est que ça? il y en Attends, a d'autres qui ont clic facile. excuse-moi, Oh, duel ça. vidéo. Oh, vas-y, regardez. C'est parce que l'Empire égyptien génère trop d'argent, c'est juste pour ça. Excuse-moi. Ça fait bugger le jeu. Trop de moula. Ah ouais, non, c'est bizarre. Tu sais, j'ai déjà eu le cas sur un Total War où quand t'as tellement d'argent que ta trésorerie elle se réinitialise. Ah, j'ai jamais eu ça. Pourtant, j'ai atteint facilement le million sur des campagnes, mais alors jamais. Ouais, c'est parce que j'avais atteint des milliards et des milliards, c'est pour ça. Ah oui! Ah, ça fait Oui, mais beaucoup là! c'était grâce à. J'avais toute la map. Ah ouais! Si tu veux. Ah, même sur Rome 2, t'as toute la map, tu génères pas autant. Hein. Tu génères 2 ou 300 000 max partout. Et j'avais un sous-mode qui, en fait, réduisait les coûts d'entretien des armées, donc voilà quoi. Ah, ok, ouais, c'est accumulé. Ouais, donc du coup, je gagnais plus que je dépensais. Regardez-moi ça, les gars. Rapport de construction. Grande bibliothèque. Oh. Oh, ça fait du bien. Plus 2 d'influence par tour pour votre parti politique. Plus 300 de richesse provenant de l'éducation. Plus 36% de taux de recherche. 36%, les gars. C'est juste énorme. Je fais une recherche là. Elle va me durer 2 tours et demi. Ouais, c'est ça, 2 tours. Toutes les recherches de rang 1, 2 tours. Recherche de rang 3, 3 à 5 tours. Ouais, c'est rapide. Et j'ai pas beaucoup de territoire en plus. Hein. Bon, ok, j'ai peut-être une Academia aussi à Petra. Ça, c'est. Voilà, c'est. Normal, on aime la science, nous, on aime la science. Ici, on va refaire une autre Academia, mais c'est pareil, c'est normal. Il faut développer la science comme ça, c'est bien. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon armée à Suse pour un petit peu stabiliser la ville. J'ai envoyé ma deuxième armée qui, elle, va conquérir Persépolis. Prochain tour, on doit être arrivé à Garama, je pense. Non, je vais pas les faire bouger là. C'est eux qui vont y aller parce que. Ouais, ils veulent vraiment passer par le désert? Ouais? Ok, bon. Pourquoi pas? C'est rare de voir Athènes qui est appelé là dans une game. Ouais, je crois qu'ils ont été un peu aidés par les Romains.
Hop. Pas de majorité, hein, toujours pas. Et là, il est toujours en étude, lui. Là, faut que j'attende. Je vais attendre 5 habitants et je vais faire une académie ici. Hein. Là, j'ai vraiment encore des troupes pourries. Je sais pas ce qu'ils font là. Tu me diras. C'est pas non plus comme si j'ai beaucoup de points de recrutement. Ok. À Alexandrie. Je dirais pas Alexandrie. Pas trop loin, il y a Alexandria Aracosia. Ouais. Ouais. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai des 5. L'autre a quitté la game. Hein? Il y a une désynchro dans la session. Ça fait deux fois, c'est. Partie annulée? Annulée, carrément. Bon, on doit avoir la sauvegarde, j'espère. Je m'en rappelle plus. C'est toi l'autre, il me semble. Ouais. C'est original ça. Les LEA, tour 57, sauvegarde. Je pense qu'il doit y avoir la sauvegarde automatique normalement. Putain, même pas. Dernière sauvegarde. Ah si, c'est juste que c'est pas à l'heure. Ils sont sur un GT. Ils sont sur une horaire autre. C'est pas cool si ça se m'a bugué. Hop, je t'ai invité. Ouais, je rejoins là. Ah, essaye de désactiver les mods peut-être. Je pense pas que ça soit un petit mod. Et au contraire, je pense que désactiver le mod dont on s'est servi pendant toute la campagne, là maintenant, ça va peut-être faire encore plus bugger le jeu. Je parle de D8. Ah non, il est pas activé hein, D8. Mais tu l'as en anglais pourtant. Ah, mon jeu est en anglais, mais DUI. Ouais. Ah, j'ai pas activé, j'ai juste activé le 12 tours par an. Ok. Tu sais, dans la gestion des mods, là, dans le launcher, hein, ils sont tous désactivés par défaut, et tu les actives à chaque fois. Ouais. Bon, on verra. Ah, si j'aurais activé DUI, on n'aurait pas les mêmes versions de jeu et on n'aurait même pas pu se rejoindre. C'est en quelle version le DUI? C'est la version modée Divide and Impera. Ouais, oui, non, je parle vraiment de la version du jeu, pas la. Je sais pas. Bon, on va dire que ça a sauvegardé la fin de mon tour. Oui, ça a sauvegardé. Il est la sauvegarde automatique. Ouais. En espérant que ça ne bug pas, pour tout. Je vais justement pouvoir jouer. C'est bon de ton côté? Ah bah du coup, toi le diplomate que j'ai envoyé chez Hedronian, ils me disent qu'en conséquence votre diplomate vous a trahi. Ouais. Donc on a des pénalités de recherche. Ah bah super. Ah, ça c'est une chance sur deux, hein, comme je te disais. Un effet négatif ou positif quoi. Ouais. Tu te souviens, moi c'était ma fille hein, qui a fini à tête tranchée donc. Oui, je m'en rappelle. On va dire ça va dans ce sens-là, c'est pas trop. C'est chiant mais ça passe. Là, je peux faire des archers perses maintenant. Ah, c'est fort ça. Je vais me faire une petite unité d'archer perse. Je peux recruter 5 unités par tour. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est quoi comme temple? Faudra que je fasse un temple de Zeus Amon. Grand. Je renforce mes armées près de ma frontière avec les Thraces. Je compte bien récupérer ces villes là. Prendre un peu de cavalerie.
21 000 de taxes. Assez de piqué dans cette armée. Dans cette armée-là, j'ai des lanciers orientaux, c'est pas ouf. Quand même 10 000 d'entretien là. C'est pas donné. Hein. On aurait pu être à donf là. Ah, ils ont pris la Sardaigne aussi. L'Africa et à Carthage. Ah non, Syracuse, n'importe quoi, Carthage. On va faire un peu d'investissement. Ils ont pas pris la Cisalpina, pas toutes. J'aurais une mission à Persépolis. Ah d'accord, leur armée est à Persépolis maintenant. Ouais, ça va être plus dur à Voilà. prendre là. Pas avec l'espion. Ah, ils ont beaucoup de territoire, hein. Je sais pas si tu vas réussir à les faire mourir de faim facilement. Bah je sais pas, mais en tout cas je m'allie avec la Bactrie, ils ont de l'argent, ça me va. Petit revenu tranquillou. Ah ils ont pris Gore, en vrai ça m'arrange comme ça, je vais éventuellement prendre la ville. Ça j'ai la province pour moi. Sparte, alliance défensive. Et là, s'il me demande un paiement, donc non. Je pense que j'ai envoyé mes deux armées à affronter l'armée qui est dans l'actuel Iran. Comme ça, je m'en débarrasse.